Alors, c'est 10h du matin, on rentre de vide-grenier. Donc, j'ai trouvé pour 20 euros, j'ai acheté deux jeux. Ça, c'est un dragon. Deux jeux Nintendo 64. Donc, il y a un Super Mario 64 en boîte défoncée, hein, mais bon, je l'ai déjà. Alors, celui que j'ai, bah, je vais le revendre 10 euros. Il vole, regarde. Et puis celui-là, bah, ça me le fera gratuit, quoi, avec une boîte. Je vais juste regarder la cartouche la plus... en meilleur état, quoi. Et j'ai pris... alors pareil, les boîtes sont horribles, hein. Elles sont défoncées à mort. Mais bon, le jeu est sympa. Donc pour 10 euros aussi, ils sont étiquetés 15, mais bon, elle m'a dit 10 tout de suite. Quake 2. Donc ça, c'est bien de trouver ça, même si les boîtes, bon, elles sont ce qu'elles sont, mais bon. Et aussi, là, je l'ai pris pour 2 euros. Elle venait de le sortir de la boîte, c'est la même vendeuse. À cette heure-là, il n'y a plus de jeu à 1 euro, hein, c'est fini. Donc, un Light Phaser pour Master System à 2 euros. Elle m'a dit, je sais pas combien ça vaut. Je lui ai dit, bah, moi, je sais pas s'il fonctionne, donc 2 euros. Elle m'a dit, ok, 2 euros. Je suis sûr que ça fonctionne, hein. J'en ai déjà en boîte, donc voilà, l'idée c'est de revendre ma cartouche de Super 64, Super Mario 64, ça le fait gratos, et de revendre ça une dizaine de balles, et ça fait Quake 2 gratos aussi, quoi. Et voilà, bonne journée!